Bonjour à toutes et à tous. Un authentique fer à doux, un métier à ferrer les bœufs, un magnifique, il est magnifique, il est ancien, on voit que le bois déjà a bien vieilli, et donc on fixait, on attachait ici les bœufs pour les ferrer, un authentique fer à doux. Alors nous sommes à la Rouvière, un joli village, très très beau village. Nous sommes à la Rouvière, commune de Pelouse, en Lozère. On est aujourd'hui en Lozère, toujours dans la France rurale. Regardez comme c'est joli. Et nous sommes dans la vallée du Lot. Toutes les maisons ici sont en pierre, elles sont magnifiques. Alors on n'a pas le soleil ce matin, il ne fait pas très beau. Mais regardez quand même si c'est joli. C'est un magnifique village, authentique village de Lozère. Voilà. Alors on va se promener, je vais souffler un petit peu parce que ça grimpe, comme vous pouvez le constater. Mais regardez un peu ces belles maisons. Tout est construit en pierre. C'est un super village, on est à 1100 mètres d'altitude, dans la vallée du Lot. Regardez si c'est beau. Voilà, 1100 mètres d'altitude dans ce petit hameau de la Rouvière qui est magnifique. Regardez, alors donc voilà la vallée. On aperçoit dans le fond Mende, la préfecture de la Lozère. Et nous sommes ici à 1100 mètres. Pas de neige. Il a neigé quelques jours. Et tout a fondu. On n'a pas de pluie encore pour l'instant. Donc je vais en profiter. Je vais vous faire découvrir ce beau village. Regardez comme il est joli. Je souffle un petit peu. Ça grimpe ici. Alors, qui est-ce qui nous écrit? C'est Thierry Kijo qui nous dit merci. Regardez si c'est beau ce petit village de pierre. Alors il fait 7 degrés, on va dire qu'il fait bon ce matin, ne gèle pas, voilà. Il fait 7 degrés dans ce petit village de la Lozère, qui s'appelle le hameau de la Rouvière. Donc un village qui est rattaché, à la commune de Pelouse. Regardez si c'est beau, toutes ces pierres, ces maisons de pierre qui sont très très belles. Voilà, ça nous change un petit peu de la Haute-Savoie, c'est vrai que là... La place du village, on voyage en ce moment, on a fait un petit peu le Finistère, on a fait la Creuse, la Saône-et-Loire et maintenant la Lozère. Donc tous ces villages où la ruralité veut encore dire quelque chose. Regardez si c'est beau. Regardez, une magnifique église aussi, église du XIIe siècle. Voilà, je continue. Alors j'ai des messages ici. Un petit bonjour de Saint-Jean-d'Eau. Georges Delalle. Georges, bonjour. Ici, c'est Alain Molo. Alors, ça me fait drôle d'avoir Georges Saint-Jean-d'Eau, puisque c'est la petite ville d'origine de ma mère. Une voiture qui passe. Et Georges était un de mes voisins dans le temps. Ça fait drôle de le voir ici, à la place du village. Alors, qui est-ce qu'on a? Coucou de Mâcon. Alors, quel temps vous avez là? Je vois qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent. Quel temps vous avez dans votre village? Dans votre commune, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a la neige? Regardez ce village comme il est beau, ce petit hameau. C'est pas un village hein, quand même, c'est suffisamment important. Il y a des pierres sur lesquelles on bâtit les maisons. C'est très très joli. Alors, je ne connais pas vraiment ce village. Je découvre le village avec vous, hein, je ne le connais pas. Hein. On a Monique Cadet qui nous dit que c'est très beau. Et qui elle est contente qu'on partage cette vidéo. Et nous, on est heureux aussi de la partager avec vous. Anne-Marie qui nous dit qu'elle prend un bol d'air en regardant la Rouvière. Regardez ce beau village. Regardez les pierres que l'on trouve en bas de ce village. Regardez si c'est beau. Toutes les maisons sont en pierre. Elles sont magnifiques. On va essayer d'aller jusqu'à l'église. Là, on a... Alors là, je ne vais pas tout regarder. Qu'est-ce que c'est que cette maison? On dirait un four banal. Et pourtant, non, là, c'est fermé. Alors, je vais remonter. Donc, je rappelle, tu as la Rouvière en Lozère. On est à 1080 mètres, en gros 1100 mètres d'altitude. On a un chien qui ne nous connaît pas. Voilà. Et nous sommes dans la vallée du Lot, en Lozère, dans les Cévennes. On est très, très beau. Regardez si c'est chouette, le coin. On a... Bonjour. On a... Voilà, il est magnifique ce village, il est magnifique. Alors là on arrive vers une très très belle église, on va essayer de voir le point de vue depuis on est à côté de l'église ici. Regardez si c'est joli. Alors qui est-ce qui nous écrit? Georges.
Ah, que de bons souvenirs. Ben oui. Merci Georges. C'est vrai, c'est beaucoup de souvenirs. Enfin, avec Georges, c'était des souvenirs d'enfance que j'ai avec lui. Ça me fait drôle de l'avoir sur la place du village. Alors Sylvie qui dit qu'il viendrait bien y vivre. Ben écoutez, je vais questionner tout à l'heure une dame qui habite ici, qui s'appelle Lily, qui suit très souvent la place du village, qui sera tout à l'heure en direct avec nous. On va aller faire un petit tour dans cette vallée du Lot qui est magnifique. Cet après-midi, on sera aussi avec Lozère TV. Et vous pouvez poser la question à Lily si elle connaît bien, ce village et s'il y a possibilité de venir vivre ici. Peut-être qu'elle pourra vous donner des indications. Regardez si c'est beau cette vallée du Lot et puis dans le fond, donc là-bas, la préfecture Mende. Alors je continue. Ah, Lily nous écrit, coucou Alain, merci pour cette visite. Alors, c'est un four à pain. Elle me confirme qu'on a vu un four à pain. Là, j'ai un chien qui vient. Bonjour le chien. Chut, allez. Ah, c'est quand même impressionnant. Il me saute dessus, il repart, mais il voulait me dire bonjour seulement. Mais je crois qu'il s'est échappé. Le monsieur l'a pas vu. Bon, on continue la visite. On va faire le tour du village. Mais c'est vraiment très beau ici. Regardez alors, Françoise qui nous dit, elle est de Colmar. Et qui est-ce qui nous écrit encore? C'est le calme et la liberté, tout à fait. Et c'est coucou de Lily qui est dans le village, bah, qui habite ce village. Je ne sais pas où elle est, mais elle habite ce village. C'est que ça fait deux personnes maintenant qui sont avec nous, que je connais. Voilà, pour un direct, c'est assez curieux. Voilà, l'église est très très belle. Regardez, c'est joli cette église. Avec ce clocher. Alors, apparemment, on est à l'extérieur pour sonner la cloche ici. Ah, c'est superbe. Je vais essayer de monter. Je vois que beaucoup de monde nous suit. Je vais monter jusqu'à l'église, puisqu'il y a un escalier pour une fois qu'on peut aller voir. Je ne vais pas sonner le tocsin, je ne vais pas inquiéter les gens. Regardez cet escalier, s'il est beau. Un vieil escalier que j'avais monté. Allez. On va aller voir cette cloche de près. Regardez si c'est joli. Alors, j'essaie de ne pas glisser hein, quand même. Voilà, on est arrivé. Ah ben il y a un moteur électrique pour la cloche là. Ah, on a trouvé le moteur électrique, une très vieille cloche. Elle est toute gravée. Elle a été fondue. Elle est magnifique cette cloche. Mais elle a un moteur électrique, ben écoutez, ça évite de passer 10 minutes pour rappeler tous les pèlerins quand on sonne l'heure de la messe. Voilà, je redescends. Alors, je redescends tout doucement. Je regarde un petit peu où je mets les pieds. Voilà. On continue. Ce village est merveilleux. Ce village de la Rouvière, donc je rappelle qu'il est rattaché à la commune de Pelouse, en Lozère. Et on est à 1100 mètres d'altitude dans ce bel endroit. Voilà, on va peut-être voir si on peut aller dans l'église. Alors, est-ce que j'ai une bonne connexion? Est-ce que l'image est bonne? Les gens qui nous suivent, est-ce que vous pouvez me dire si l'image est bonne? Alors, Lily, qui connaît bien ce village, qui nous dit, oui, c'est du 12e siècle. Et elle est à gauche, sur le mont Lozère. Alors, ah, c'était une vue sur le mont Lozère. Voilà, on va arriver à l'arrière de l'église ici. On est près du cimetière. Et voilà, ici encore. Alors, ça, je pense, puisque Lily a l'air de nous suivre, elle va peut-être nous confirmer si c'est un four banal ici ou pas. Avec un magnifique bassin. Regardez s'il est beau ce bassin. Et c'est superbe. C'est superbe. Regardez ce coin. Si c'est joli. Alors. Qui est-ce qui nous dit? C'est Lala qui nous dit que l'image est bonne et le paysage magnifique. C'est vrai, ce serait dommage que l'image ne soit pas bonne quand on voit ça, c'est beau. Ici, avec le soleil, ça doit être magnifique. C'est le paradis. Regardez tout si c'est joli ce village, l'authenticité de ce village, la ruralité. C'est ici qu'on la trouve avec des gens extraordinaires. Même le chien est venu me dire bonjour. Ça, c'est formidable. Sans me mordre. Voilà, ben là, je pense que c'est un four. Je ne sais pas si Lily est encore avec nous en ligne. Non, alors voilà, vous voyez comme quoi c'est exact, Lily a raison, c'est une fontaine. Alors cette fontaine, effectivement, je pense que ses trous servent à ouvrir l'eau. On voit ici l'arrivée d'eau. Et je vais reculer, donc
on voit un petit peu la canalisation qui a été faite. Et c'est une fontaine. Alors c'est la première fois que je vois ce genre de fontaine. L'endroit est magnifique. Pensez à vos vacances lorsque vous descendez dans le sud. Arrêtez-vous en Lozère, arrêtez-vous à Mantes. Puis ensuite, vous allez à Pelouse. Et vous verrez, il y a plusieurs villages comme ça. J'ai vu des villages magnifiques, des vieux ponts. C'est très, très beau, des vieux ponts en pierre. C'est très, très beau, la Lozère. Très, très beau. Ce coin-là est très, très beau. Voilà. Je vais refaire le chemin en sens inverse. Puisque je ne veux pas... Alors, qui est-ce qui nous écrit? C'est... Alors, Chantal qui nous dit que la Lozère, non. Alors, il est très joli, Lot, bien sûr qu'il est joli. C'est très beau comme quoi. Et cette vieille église. Ah, c'est... Voilà cette France rurale qui est belle ici. C'est authentique, le lieu est authentique, il est très chouette. Tout a été respecté, et c'est vraiment très beau. Regardez, on va retourner. Le chien apparemment lui a disparu. Son maître ne sera peut-être pas très content. Et voilà. Donc je vais retourner. On a terminé ce petit direct. Je vais refaire un peu le voyage en sens inverse. Donc ici, Lily nous a dit que c'était le four banal qui se trouve là à côté de nous. Avec une très jolie croix à côté. Beaucoup de croix différentes ici. Ces croix sont magnifiques, regardez. Et là, donc là, c'est le four banal qui est ici, ce petit bâtiment. Je vais redescendre ici. Je ne sais pas si je peux aller plus par là-bas. Alors, Lily nous précise, puisque Lily sera tout à l'heure en direct sur la place du village, on va aller au lac de Champal. Et c'est un lac, elle dit, que je vais adorer. Ben, je vais voir. Merci Lily de nous proposer tout cela pour la place du village. C'est superbe. C'est la première fois, je crois, qu'avec la place du village, on vient en Lozère. Et je pense que très souvent, on va vous faire des reportages depuis cette région qui est magnifique, qui correspond un petit peu à ce que l'on fait à la place du village. Voilà, on va redescendre. Que des pierres. C'est un beau village de pierres. Un authentique village de Lozère. Alors, qui est-ce qui nous écrit de l'Ardèche aussi, plateau ardéchois? C'est Pascal qui nous dit ça, c'est très beau aussi l'Ardèche. Ben, certainement que je serai demain, puisque je rentre sur ma Haute-Savoie, et je serai demain en Ardèche, je vais traverser, puisque je vais traverser de la Lozère pour aller sur l'Ardèche. Et il y a... Qui est-ce qui nous dit aussi... qui nous dit une petite pensée pour Mimi Poyac. Ben oui, notre grand-mère à tous de la place du village, Mimi Poyac. C'est vrai qu'on y pense souvent et c'est vrai que très souvent, on fait des petites vidéos. On repasse certaines vidéos. On vous refait voir Mimi Poyac. C'est vrai qu'elle a fait connaître à la Niol déjà, des petits plats savoyards, des chansons aussi. Elle adorait chanter Mimi. Et bien sûr, le rakabi. Voilà, je redescends un petit peu. Tout le monde connaît Mimi. Elle était extraordinaire, cette petite mamie. Elle nous manque. Voilà, je redescends donc sur la vallée du Lot. On va retourner sur cette petite vallée. Je refais un peu une vue de ces belles maisons. Et on va terminer là où on a commencé, donc sur ce fer à doux, donc on appelle ça un fer à doux, c'est un métier qui permettait de ferrer, voilà, nous permettait de ferrer les bœufs. Voilà, donc c'est la première vidéo que l'on fait en Lozère, on va vous en faire encore une tout à l'heure, on en fera une aussi certainement cet après-midi en collaboration avec Lozère TV, on va vous faire découvrir ce département, cette région qui est très très belle. Voilà, je remercie tous les gens qui nous ont suivis, merci beaucoup. Bonne journée, puis à tout à l'heure, alors, pour le lac de Champal, si je me rappelle bien, mais j'ai pas de mémoire. Voilà, merci à tous.